Bonjour Xavier Dorizon. Bonjour. Alors, on voit peu de western dans la bande dessinée en général. On a vu Blueberry, on a vu Lucky Luke, ça devient un peu rare. Ou alors il faut amener un bon sujet. Oh, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quand même quelques-unes, mais c'est vrai que la difficulté du western, qui est un genre qui a été très exploité quand même, notamment au cinéma et en bande dessinée, bah, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut apporter sa petite pierre à l'édifice? J'ai l'impression que vous aimez bien les univers avec une forte mythologie, que ce soit les Vikings, la guerre, ou alors une série comme 13, mais en même temps vous y apportez votre patte. Alors oui, j'aime ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire des histoires effectivement très connotées, très populaires, de façon générale divertissantes. C'est ce que j'aime lire donc, ou voir, donc forcément c'est ce que j'aime faire au bout d'un moment. Et j'essaye, oui, d'y amener un regard spécifique. Un regard spécifique avec un croque-mort qui est un peu finalement dans l'imaginaire populaire, un peu comme vous le décrivez dans la BD. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas lui adresser la parole. Et ici, vous en faites un héros principal. Oui, c'est-à-dire qu'en général, le croque-mort est un personnage en marge des histoires. Et là, avec Ralph Meyer, mon co-auteur, on s'est dit, tiens, nous, on va faire un western dont le héros sera le croque-mort. Il se trouve qu'effectivement, d'une façon générale, les croque-morts ne sont pas des gens vers lesquels naturellement on a envie d'aller. Et lui, ça l'arrange puisqu'il a envie d'être discret, donc ça tombe bien. Et en fait, comme il s'occupe d'enterrer des gens, très rapidement dans cette série, on va se rendre compte que la mort ne vient jamais seule et qu'avec elle arrive en général un cortège de problèmes. Et lui va devoir les régler, sachant qu'il a ses propres problèmes et un passé assez lourd aussi. Oui, c'est un croque-mort qui Qui a une sait tenir une triple Winchester. identité. C'est un vrai Winchester. croque-mort, hein. Il sait enterrer les gens, il sait préparer un cercueil, il connaît les rituels, donc c'est vraiment son job. Mais effectivement, un colt à la main ou une Winchester en main, il sait quoi faire. Il travaille avec la mort pour ne pas la causer, finalement. Il cherche jamais lui seul à causer la mort. Après, si c'est pas lui qui a commencé. Oui, en fait, c'est le héros de western, d'une façon générale, c'est l'homme providentiel qui arrive dans une ville tenue par les méchants. Et bah là, le héros providentiel dans Undertaker, c'est pas le shérif, c'est pas le brave type qui défend son ranch, c'est le croque-mort. Un croque-mort qui a sa propre liturgie en plus. Oui, C'est un lui, Paul ici, New-Yorkais. Saint-Paul au Californien et Saint-Jean au New-Yorkais. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'il a sa propre vision de la vie, sa propre vision de la religion, et il ne gêne pas pour le dire. Alors avec d'autres personnages qui sont des seconds rôles, mais qui sont très travaillés aussi, qui ont une psychologie, qui apportent parfois une touche d'humour malgré eux, c'est le cas de Madame Lynn, la gouvernante. Oui, en fait, c'est une histoire voilà, au centre de laquelle donc, se trouve Jonas Crow, Undertaker de son état, on va dire flingueur et misanthrope dès qu'il en a l'occasion. Et il est accompagné d'une jeune femme qui s'appelle Rose Prairie, d'origine anglaise, qui est une ancienne elle gouvernante, donc qui dirigeait toute une grande maison bourgeoise dans la ville qui s'appelle Anoki City, la ville de départ, et qui, elle, au contraire, est très rigide, très sur les principes, mais visiblement très généreuse et très tournée vers les autres. Et ils sont accompagnés par une des femmes qui est une des domestiques de cette maison où travaille Rose, qui s'appelle Lynn, qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est simple, elle dit un truc, elle pense quelque chose, elle le dit, et on va très rapidement apprendre que dans une ancienne vie, elle a tenu un bordel. Ils sont tous pourris en fait là dans cette ville. Enfin beaucoup, il y a le shérif qui. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques pourris, notamment effectivement le shérif, quelques mineurs. Et ce qui va se passer, les lecteurs se rendront vite compte, c'est que tout d'un coup, un gros trésor se retrouve avalé par un cadavre, et donc au milieu d'un cercueil. Et je dirais que c'est cette opportunité d'or facile qui va quelque part corrompre la ville, y compris des gens dont on aurait dit que c'était des gens bien et des gens normaux. Mais l'appât du gain, la possibilité d'un gain rapide, va tout d'un coup semer la folie dans cette cité. L'histoire est la suivante. On est dans une ville minière de la Californie, et les mineurs en fait payent pour travailler dans les filons, mais au final sortent quasiment rien. Et tout l'or qu'ils ont pu récupérer est allé dans les poches d'un milliardaire, enfin millionnaire, il n'est pas milliardaire, il est millionnaire, qui s'appelle Joe Cusco. Et quand cet homme meurt, il décide d'emporter dans la tombe son or et de la faire disparaître. Et évidemment, la population qui crève de faim s'échigne à gagner un tout petit peu sa vie, se dit bah, « Attendez, c'est quand même n'importe quoi. Nous, on bosse comme des dingues, on n'a rien. » Et lui, il meurt et en plus, au lieu de nous léguer son or vu qu'il n'a pas d'enfant, il va l'enterrer. Ça n'a pas de sens. Donc récupérons l'or. Et en même temps,
bah, lui, son or, il l'a eu légalement, donc il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Et là, nos héros bah, se trouvent au cœur d'un problème qui fait s'affronter, on va dire, la morale et la justice. Finalement, on retrouve tous les ingrédients du western, mais avec un souffle de renouveau. On lit Undertaker, on se dit, ah ben tiens, on a envie que ça continue parce que, bien sûr, on sent les références, mais... L'idée des genres, c'est voilà, ils nous donnent un cadre, ils nous donnent un univers. Et je pense que en tout cas moi je demande quand je lis un livre, c'est qu'on me fasse un voyage dans un endroit que je connais, mais qu'on me fasse visiter des endroits que je n'ai jamais vus. Donc voilà, on peut retourner 15 fois au Vietnam, vous pouvez voir 10 chaufferies différentes, vous pouvez voir des villes différentes. Voilà, c'est un peu ça, on vous fait voyager en western, mais on va vous montrer des coins que vous n'avez jamais vus. Justement, comment est-ce que vous avez nourri cet imaginaire? Quelles sont vos influences? Moi, je suis évidemment un fan de western, donc c'est des westerns un peu anciens qui vont du vieux 3h10 pour Yuma, en passant par Rio Bravo, L'homme qui tue à Liberty Valance, Le dernier des géants. Donc c'est toute cette culture western que j'ai essayé d'intégrer, de comprendre. Et puis après, vous savez, on s'inspire aussi de sujets qui nous parlent, c'est-à-dire que se dire que la richesse de quelques-uns crée... Un dilemme moral qui va aller s'opposer à la loi, on a ça tous les jours dans le journal. Un sujet universel. Hein. Bien sûr. Donc il suffit ensuite de prendre un sujet universel et de l'amener dans une époque avec laquelle on se dit ça va être quand même un peu plus amusant. C'est vrai que je préfère mettre un saloon, des cow-boys et des Winchester plutôt qu'une banlieue ou des salles de marché. Comment est-ce que vous avez emmené Ralph Mayer C'est lui qui m'a emmené. C'est lui qui m'a emmené. Parce qu'en fait... Ralph avait dans l'idée de. Il voulait faire un western où le héros soit le croque-mort. Et puis il m'a dit ça. Et j'ai réfléchi, j'ai essayé de travailler pour rendre tout ça crédible, pour en faire une histoire. Mais l'impulsion initiale est venue de lui. Comment est-ce que vous travaillez, vous deux? Avec beaucoup d'attention. Ben là, en l'occurrence, il y a plusieurs pistes quand vous commencez à travailler sur une histoire comme celle-là. D'abord, il faut essayer de créer un personnage réel, de comprendre quelles sont ses motivations, de voir pourquoi, par exemple, il va être impliqué dans les conflits. Et puis, bien sûr, on se documente sur l'époque, on se documente sur le genre, on voit des westerns. Donc, c'est à la fois, on essaie de développer un univers et en même temps, on développe petit à petit la crédibilité de tous les protagonistes, ce qu'ils ont l'air d'être, ce qu'ils sont vraiment, ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils l'ont vécu. Comment ils vont réagir par rapport à la mort de ce millionnaire au ventre plein d'or. Voilà, on pose tout ça sur le papier et puis on s'y met. Et le scénario était déjà écrit à la base, enfin tout était écrit avant qu'il commence à dessiner? Ah oui, bien sûr. Moi je travaille comme ça, c'est-à-dire que je rends à mes dessinateurs un album découpé, dialogué, complet et après ils s'y mettent. Ouais. Et est-ce que votre dessinateur savait ce qui allait se passer après la fin de ce premier tome ici? Oui, parce que en fait, avec Ralph, alors j'ai des dessinateurs qui de temps en temps découvrent l'album comme ça de A à Z, mais avec Ralph, on, dès le départ, on discute de ce que va être l'histoire, de ce qu'on veut y mettre. Il me donne un certain nombre d'idées. Après, moi, je pars dans ma cuisine puis je fais ma tambouille de scénariste, mais c'est pas comme s'il découvrait le projet ex nihilo. Après, quand je sors et que je lui fais lire la version faite à partir de nos réflexions, je me dis toujours, ah là, il va être surpris, il s'y attend pas à ça. Donc j'essaye de le surprendre encore, mais. Non, il connaît l'histoire quand même au départ. La fin est étonnante. C'est pas la fin, c'est que vous êtes au milieu là. Oui, on est au milieu. Ça s'appelle un cliffhanger, évidemment, parce qu'on a envie que vous achetiez le deuxième. Donc voilà. Oui, le début d'une série. Bah, les deux premiers tomes en fait constituent presque ce qui sera l'épisode pilote, qui met en place le trio qui va être les trois personnages centraux. Et puis après, on fera des épisodes suivant. Ils iront. En Louisiane, en Arizona, ils seront confrontés aux esclavagistes, aux charlatans, aux premiers fous religieux américains. Voilà, on va traverser les grandes icônes de l'Ouest, mais avec les yeux d'un Undertaker. Ça n'a pas volonté donc d'être une série avec à chaque fois à suivre, etc. Non, l'idée c'est plutôt de faire des épisodes. Après les épisodes, ils pourront faire un ou deux albums. Hein. Oui. Voilà. Mais non, c'est plutôt une série à épisodes. C'est-à-dire qu'on va suivre sur les personnages principaux. Bah, c'est comme dans toute bonne série. À chaque épisode, on en apprend un peu plus sur eux. Mais l'histoire de l'épisode, elle, se termine. Alors, au niveau projet, on voit un nouvel album qui va sortir pour Dargo d'ici quelques mois. Oui, il y a un album qui va sortir quelques mois qui s'appelle Le Maître d'Armes. C'est un roman d'aventure qui se passe, enfin, un roman BD d'aventure qui se passe juste à la fin de la Renaissance. Enfin, de la fin, pardon, du Moyen-Âge, au début de la Renaissance.
pur roman d'aventure, un jeune homme, presque un enfant, décide d'emmener un manuscrit, qui est un manuscrit de la Bible en français, ce qui est à l'époque une hérésie totale, et décide de l'emmener pour le faire imprimer en Suisse, et il doit traverser les montagnes. Et évidemment, il a plein de gens à ses trousses. Et un vieil homme va décider de l'aider, et on va vouloir les arrêter, et c'est une mauvaise idée, car le vieil homme qui l'accompagne n'est rien d'autre que le plus grand maître d'armes de l'histoire, à savoir l'ancien maître d'armes de François Ier. Encore une époque différente. Complètement. La BD, c'est... Et c'est une histoire qui se déroule en 3 jours dans les montagnes, dans les Vosges. La BD, c'est une manière de voyager dans le temps. Bien sûr, voyager dans le temps, dans les époques, dans les thèmes, bien sûr. Eh bien, on vous souhaite de beaux voyages. Merci beaucoup. Merci à vous.